Roland Petrou, directeur opérationnel de la société Identech. Je suis doctorant en sciences de gestion, en plus d'être à temps plein dans le cadre de la société Identech. Doctorant en sciences de gestion, et notamment j'ai étudié les aspects acceptabilité de la télémédecine bucco-dentaire, qui est aussi le sujet ou l'objet d'activité de Identech, parce qu'on est le fournisseur, le développeur et le fournisseur de la solution IDENT, qui permet de réaliser un bilan annuel systématique dans les établissements médico-sociaux pour des personnes en situation de mobilité réduite, avec un chirurgien dentiste qui est à distance, qui peut être libéral ou hospitalier. On est parti sur le projet du dépistage à distance, qui permettait au moins déjà, effectivement, comme tu l'as dit, de pouvoir dépister les résidents, les soins voilà, qui sont toujours un peu compliqués avec des résidents qu'on accueille, et de pouvoir au moins faire un dépistage sans passer par la case anesthésie générale par laquelle on passait la plupart du temps. Vraiment de donner accès aux soins pour des personnes qui vraiment ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de voilà, parce que se déplacer c'est trop anxiogène, parce qu'aller dans un cabinet extérieur c'est trop compliqué, voilà, c'est vraiment cibler ces personnes-là. Et là donc on en est à une année de fonctionnement sur la caméra, sur tous les établissements de l'ADAGE qui se prêtent la caméra à tour de rôle. Ça nous permet aussi de lui proposer un endroit rassurant pour lui. Donc ça peut être au sol sur un tapis, ça peut être dans nos bras, ça peut être sur un fauteuil, ça peut être sur leur fauteuil. Ça peut être en chambre avec de la musique et qu'ils choisissent eux. Ça peut être après une balade, enfin. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages sur l'angoisse du résident, sur le suivi, parce que du coup, ben, on peut faire le suivi beaucoup plus rapproché de ces résidents qui avaient du mal à sortir. Et donc le fait qu'on puisse faire ces visites rapprochées avec le système Identech, ça permet de voir de suite s'il y a des problèmes dentaires et d'éviter du coup les anesthésies générales. Donc il y a déjà un premier temps de recueil d'informations, d'informations médicales, informations administratives, informations sur l'état cognitif et d'acceptabilité de l'ouverture buccale par exemple, ou comment le patient a accepté que la caméra puisse être utilisée, et ensuite les vidéos qui vont nous permettre de faire le diagnostic. Tu me laisses faire? Oui? Allez. Hop, on ouvre la bouche. Grand, 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 grand. Super. Alors là, bravo. Hein. Là, on y est. Génial. Allez. Allez. Super. Très bien, Philippe. Voilà, là, t'es sur la dent. Super. C'est bon ? Ouais. Allez. La télémédecine change complètement les paradigmes. Que ce soit la télémédecine en médecine, en cardiologie, en radiologie, en rhumatologie, ce que vous voulez, et en télémédecine bucco-dentaire encore plus. Elle change le paradigme puisqu'elle ajoute un professionnel de santé dans une relation de soins qui n'en comprenait que deux, le patient et le chirurgien-dentiste. Maintenant, nous avons une troisième personne qui est le professionnel de santé qui va recueillir les informations nécessaires au diagnostic, une infirmière, un aide-soignant, en fonction des établissements, peu importe. Tous ces éléments-là sont enregistrés à un instant T, puis transférés, de façon sécurisée bien évidemment, et un chirurgien-dentiste, en l'occurrence du CHU de Montpellier, va pouvoir analyser les données, proposer un diagnostic, un parcours de soins adapté et une priorisation. Est-ce qu'il y a urgence, moyenne urgence, peu d'urgence ou pas d'urgence du tout, donc pas besoin de soins pour ce patient.